Moins de deux lieues séparent Saint-Laurent-de-Cerdan de la frontière espagnole. Ce village des Pyrénées-Orientales, qui compte à peine 1300 âmes, fut pourtant l'un des hauts lieux du tissage des toiles en coton, servant à la fabrication des espadrilles. En 1993, grâce à beaucoup d'énergie, de détermination et de passion créative, Françoise et Henri Quintat sauvent l'entreprise et la rebaptisent l'Étoile du Soleil. Les 12 ouvriers redémarrent les ourdissoirs et les navettes de bois reprennent leur bruyant va-et-vient sur les métiers, sauvegardant ainsi un savoir-faire de plus d'un siècle grâce à un marché désormais élargi au linge de maison et à la décoration d'intérieur. Il ne suffit pourtant pas de racheter une entreprise pour que les commandes affluent. La vision d'Henri Quintat, créatif architecte d'intérieur, sera d'y insuffler une véritable identité. Elle sera haute en couleur, dictée par des origines catalanes où le sang et or dominent. Moi, j'ai toujours été un passionné des couleurs. La couleur, pour moi, c'est une source incroyable d'inspiration. On me dit, tu vas partir sur une gamme de jaune, je suis comme un fou parce que tout d'un coup, j'ai un cadre à remplir. Identifiables entre toutes, les toiles 100% coton sortant des ateliers respectent un cadre précis, les rayures. C'est pas faire un tableau, c'est vraiment aligner des rayures de rythme et de largeur différentes avec des couleurs et des nuances différentes. Et ça, c'est un exercice finalement assez serré comme cadre, mais qui est très intéressant et qui finalement s'avère être totalement infini. Infini, sans doute, pour un esprit aussi créatif et passionné qui imagine et dessine régulièrement de nouvelles toiles à l'aide d'une simple règle et quelques notes de couleur. Alors les notes de couleur, je les utilise par rapport au fil de coton que nous faisons teindre à nos coloris. Ils sont au nombre de 35 environ, mais ça n'est pas suffisant. Et j'ai très vite imaginé de mélanger plusieurs fils de coton ensemble de façon à créer des nuances tout à fait précises. Dans ce métier de créateur, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est de passer de ce que j'imagine et que je couche sur du papier. Ensuite, tout ça, ça passe par le filtre de l'usine, de toutes ces machines, de ce bruit, de ce côté extrêmement cadencé, bruyant, brutal, métallique. Et millimètre par millimètre, au bout d'un moment, commence à sortir le tissu. Et là, c'est un vrai moment de magie. On a enfin notre toile. Ainsi naissent l'Étoile du Soleil, issue de méthodes de tissage artisanale et garante d'un authentique savoir-faire français préservé et transmis ici, à Saint-Laurent-de-Cerdan depuis 1860. L'étoile et les nombreux produits finis, transats, nappes, serviettes, tabliers, coussins et rideaux, voyageront ensuite jusqu'à Perpignan et Paris, mais aussi New York et Tokyo, emportant dans leurs rayures un peu de ce soleil catalan.